L'archidiocèse de Sherbrooke et Desjardins sont vos guides durant la balade des clochers. Construite entre 1906 et 1907 avec de modestes moyens, l'église Saint-Théophile de Racine est aujourd'hui un véritable bijou patrimonial. Le revêtement en pierre des champs, matériau désormais estimé, avait alors été privilégié pour son faible coût. À l'époque, les pierres rondes avaient été installées sur les côtés, tandis que la pierre taillée, en façade, procurait davantage de lustre. La finition intérieure, exécutée en 1930, permettra à l'église de gagner en raffinement. Depuis, ces détails artistiques agrémentent la nef et confèrent un caractère sobre, mais distingué au chœur. À ce moment, la voûte est aussi abaissée pour faciliter le chauffage du bâtiment. Avec ces travaux, les oculis ne sont désormais visibles que de l'extérieur. Ils conservent ainsi un œil bienveillant sur la municipalité, nommée en l'honneur du premier évêque de Sherbrooke, Mgr Antoine Racine. Découvrez ces belles richesses durant la balade des clochers.